Bonjour Rosanna. Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs. On vous écoute. Selon l'OMS, en 10 ans, les cas des maladies d'origine animale transmissibles aux humains ont augmenté de 63%. Alors, j'aimerais savoir, comment expliquer une telle augmentation? Alors, Christina Okello du service Afrique est avec nous. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour Rosanna, bonjour à tous. Écoutez, pendant très longtemps, les zoonoses, des maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme, étaient contenues à l'Afrique, notamment dans des zones forestières. Mais avec la hausse de la population africaine et du fait que les gens se déplacent plus fréquemment, les agents pathogènes zoonotiques ont quitté leurs lieux habituels. Parmi les maladies associées, citons Ebola, dont on soupçonne les chauves-souris d'être le vecteur. Le mouvement des chauves-souris, d'ailleurs, serait également à l'origine de l'épidémie du virus Marburg, qui vient de se déclarer au Ghana. Ensuite, il y a la variole du singe, qui est transmise par des rongeurs, et dont plusieurs cas ont été détectés en Europe et aux États-Unis. Tout simplement, Rosanna, il n'y a plus de barrière de transport. C'est tout aussi facile de voyager d'une zone reculée vers de grands centres-villes que de voyager de l'Afrique vers l'Europe. Et tous ces déplacements favorisent forcément une plus grande proximité entre les hommes et les animaux sauvages porteurs de virus. Mais Christina, est-ce que l'augmentation de ces maladies d'origine animale, ce ne serait pas aussi un peu la faute de l'homme? On pourrait dire ça. Certains experts estiment même que nous, les êtres humains, payons le prix fort de notre rapport prédateur à la nature. Car les activités humaines, Anne, telles que la déforestation et l'élevage intensif, ont pour effet de rapprocher les animaux domestiques des animaux sauvages, ce qui peut favoriser l'apparition des zoonoses. Pour l'instant, on n'est pas encore au stade de crise sanitaire comme celle du Covid-19, mais cela pourrait changer. Dans 2 jours, l'Organisation mondiale de la santé doit se réunir pour un comité d'urgence afin de se pencher sur la flambée des cas de la variole du singe, où il sera notamment question de décider si cette maladie doit être désormais qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale. Rosanna, vous aviez une autre question pour Christina, je crois. Oui, justement. Comment pouvons-nous nous protéger de ces maladies? Et par exemple, la consommation de viande de brousse favorise-t-elle ces contaminations? C'est vrai que c'est ce qu'on avait entendu, Christina, notamment en 2014, au moment de l'épidémie de fièvre Ebola. Oui, dans le cas de la variole du singe, d'abord, l'option privilégiée, c'est d'accélérer la vaccination. La Commission européenne a annoncé hier l'achat de plus de 54 000 doses supplémentaires de vaccins contre cette maladie qui entraîne des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue. Mais pour les gens en Afrique, le mot d'ordre, c'est plutôt la prudence dans la consommation de viande de brousse, dont la pratique pourrait propager des maladies infectieuses. L'exemple classique, vous venez de dire, Anne, c'est Ebola. La transmission de cette fièvre hémorragique par la faune sauvage a été reliée à la manipulation de viande de brousse. L'OMS recommande donc de bien se laver les mains avant de manger cette viande qui peut être celle de singe ou de la chauve-souris, car la contamination se fait par contact direct avec les lésions cutanées d'une personne malade. L'OMS recommande également de bien cuire cette viande et surtout d'éviter de manger des animaux qui sont déjà morts. Donc on contrôle, on fait attention, mais pas question d'interdire la consommation de la viande de brousse qui reste une tradition très bien ancrée. Oui, pas du tout. L'OMS, lors d'une conférence la semaine dernière, a bien pris la peine de préciser qu'il ne souhaite pas heurter les sensibilités de qui que ce soit, étant donné que la viande de brousse est très appréciée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Pourtant, il faut bien faire quelque chose. La réponse, selon l'OMS, c'est donc d'appliquer une politique holistique appelée One Health. Autrement dit, faire en sorte que tous les secteurs travaillent ensemble, la santé humaine, la santé animale et l'environnement, afin d'intensifier la recherche, notamment pour des vaccins, pour éviter que l'Afrique ne devienne l'épicentre des maladies infectieuses émergentes.